Mercredi 22 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques points qui pral fait essentiel, journal. Jean Saté annoncé diverses estripties politiques tant que Fronod à cri national, planté piquet yo journée mercredi 22 novembre 2023 devant local Binu dans Pétionville. Objectif mouvement ça, c'est continuer dénoncer ingérence chef Binian dans affaires internes pays d'Haïti. Animateur émission Matin Débat sur Radio Télé Éclair Lucnia Désir Moun konnen sous nom Louko, présenté yon l'autre fois journée mercredi 22 novembre 2023 devant juge instruction Walter Wessia Voltaire. Audition si la entraîne cadre assassinat ancien président Jovenel Moïse. Syndicat personnel ministère éducation nationale ak formation professionnelle yo salier rapport unité lutte contre corruption ULCC concernant sa corruption dans ministère éducation nationale. Dans occasion responsable syndicat invité ULCC pour approfondir enquête li sous autorité dans ministère éducation nationale yo. Toujours dans cadre échange information dans cabinet juge Walter Wessia Voltaire, animateur émission Matin Débat Lucnia Désir moun konnen sous nom Louko, présenté yon l'autre fois journée mercredi 22 novembre 2023 pour voter plus précision ak détail sous différents points li té débat dans émission Matin Débat sous divers sujets sociopolitiques dans pays ya, soit avant ak après assassinat ancien président Jovenel Moïse. Yon série information qui selon Lucnia Désir juge la tâche nécessaire pour partager origine pour faciliter bonne démarche sous dossier justice pour ancien chef l'État PIA. Lucnia Désir était dans micro radio Télé Éclair. C'est toujours donc dans le cadre d'échange que Maïsa s'est fait avec le bon désir. Et c'est pas moi-même ça, comme journaliste, c'est sûr que le banc est notre journaliste. Donc sous émission que nous d'habitude faisons, commentaires, analyse. Donc nous sommes arrêtés disponibles pour la justice. Maintenant, qui est-ce qu'il y a nous 20 fois, 40 fois, dans tout là. Donc, mais quand même, c'était un échange très cordial. Maïssa a posé une question, m'a répondu. Et puis, aussi, mais que je tiens, ok, comment la caméra. Mais, barré, encore, s'il y a pour l'inviter, m'a pu répondre à toute invitation de femme. Pas en pile d'informations dans le pays, là. Nous, on a déjà, nous, pas en pile d'informations dans le pays, là. Donc, surtout, avant Jovenel Moïse mourir, après qu'il mourir. Un commentaire, un peu d'analyse, une bagagne. Des analyses qui ont rapport avec les pays. Donc, c'est pas analyse qui est annoncée. Il est mort, il dit que les gens qui sont les gens qui vont courir, mais tout le monde m'a débat, c'est l'analyse que nous faisons. Et que le commissaire, en fait, si vous avez plus de détails sur quelques informations que nous débattons, eh bien, nous là, nous expliquons ça, nous expliquons, nous pas plus de détails, et là, toujours là, nous mettons. Jean Saté annoncé pour journée mercredi 22 novembre 2023 diverses estripties politiques tant que Fronod à cri national planté piquet yo bien bonnet devant local Binyan dans Juvena dans objectif pour exprimer désaccord yo ak façon yo fait connait chef Binyan Maria Isabelle Salvador entre col dans dossier interne pays d'Haïti yo dirigeant différents partis politiques sa yo qui pas caché mécontentement yo lancé une série parole piment bouc pour mander Binu à communauté internationale là yo dit si porter Ariel Henry sous pouvoir, démarqué de chef gouvernement qui pas réglé en rien dans intérêt pays d'Haïti, mais plutôt rester dans tête pays pour empêcher la justice faire travailler dans quatre dossiers assassinat ancien président Jovenel Moïse. En suivant après l'autre intervention Rosemont Jean avec Léonard Jean Renalno qui était dans micro radio Télé Éclair. Bagaille. Un, il y a vu faire trafic d'organes, il y a vu un kidnapping, il y a vu un enlèvement. Parce que pays qui gagne un minimum de sécurité, pas qu'il n'y a pas en bas, voilà qu'il y a vu nos pays vulnérables. Ça, c'est une. Deuxièmement, question maladie, Ebola. Si nous voulons faire génocide à travers Ebola, si nous avons 15 soldats Ebola, si nous avons 15 soldats kenyens qui subissent maladie Ebola, il est possible pour 15 soldats kenyens seulement. Bah nous près de 200 à 300 000 morts. Alors que la situation sanitaire n'est pas bonne, nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas d'hôpital qui pour répondre à ça. Ça veut dire que nous prenons un complot international. Et complot international, là,
ces Nations Unies même avec la CARICOM et le corps groupe qui a coordonné un complot néfaste contre le peuple haïtien. Ils voulaient à tout prix pour disparaître le peuple haïtien. Ils ont demandé, dans le premier temps, ils ont demandé 400 millions de dollars pour cortège force multinationale. Là. Je dis à passer de 400 à 600 millions. 100 millions à 300 millions de dollars. Comme ça, ils peuvent payer Kenyan. La police, l'armée d'Haïti, mettez avec Bessap, dans une force conjointe. Une moto squad, ils sont capables de rétablir la sécurité dans un mois. À 6 mois, nous avons rétabli la peine de pays. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que chaque fois la police prend un militaire dans l'opération, l'opération finit bien. Ambassade américaine fâché. Ça veut dire qu'il y a intérêt, problème. Yo. Puis quand nous résoudre le problème de la Kainoua, parce que la crise de la Kainoua vient tout nos systèmes, et bien le système ça vient permettre Nations Unies, la CARICOM, le COGOU, de créer une opportunité à travers la crise noire. La crise noire, c'est une opportunité pour eux. Quand nous sommes après, mais eux-mêmes, ils ont bénéficié de crise noire en opportunité. Et c'est pour ça matin nous vivons là. Nous venons dénoncer, nous dire que ce diaspora, que diaspora unie, Haïti unie, organisation, nous tous ensemble, nous unis tête nous, pour nous dénoncer Madame Elisabeth Salvador, qui vient en Haïti pour venir pénaliser crime, pour venir renforcer gang. Et de pouvoir renforcer Ariel Henry, c'est un choix fait pour renforcer gang dans le pays. Et c'est pour ça matin nous venons là, nous disons abat Ariel Henry et voulez braver. Faut qu'Ariel Henry aille. Notre droit, tant que Ariel, c'est lui-même qui va organiser l'élection pour qu'il mette un chef gang en dedans pour pouvoir. Maria Isabelle Salvador lui montrer, lui-même avec Madame Hélène Lalime, pas de différence. De web, gros manifestation devant Vision 2000, puis on a dit non, on vole comme ça, pas doué candidat pour député. Je dis, nous sommes ensemble. De moun ka dirije nou yo, moun sa yo se volè ki yo ye, se kidnappè ki yo ye. Se yon rezon, nou di nou mèm, nan kri nasyonal, nou deklare Maria Isabelle Salvador persona non grata. Si se te nan peyi d'Afrik yo, lòt peyi d'Afrik yo, ni pa ta jèm azade pou ke ke koupot pan sa. De mèm pou ambasade de Frans, ambasade Kanada, Etats-Unis, réaction que vous avez dans le pays, il y a supporté un criminel de Ariel, pays d'Afrique, vous n'avez pas toléré ça dans vous-même. Président parti révolutionnaire Kiskeyen, Dr. Max André Jean-Gilles, mande gouvernement en place là pour bailler au conseil transition pouvoir, pour mettre sous pied un conseil électoral provisoire crédible et honnête, pour organiser élection dans le pays ya, qui selon lui-même c'est seul moyen qui permet le pays d'Haïti sortir dans l'impasse trouvé depuis plusieurs années. Dans l'occasion, Dr. Max André Jean-Gilles, qui dénonçait parti politique, lui dit qu'il voulait prendre pouvoir dans la transition, mande gouvernement en place là pour suspendre signer accord politique. Li di ki pa pote rezultat pou peyi a. Président parti révolutionnaire Kiskeyen, Dr. Max André Jean-Gilles, te nan micro radio télé éclair. Nou wè ke nou a an sibistik nan pouvoir li ekonomik paske gran paquet minorité ou majorité moun et pran pouvoir kom ke nou a ke lòt moun dou yo kom si ekonomi yo chanje. Mais tout socialement, il n'y a pas de mouvement apartheid là encore. Bien que il y ait l'autre bagaille qui peut être supposé faite encore, qui peut arriver faite, mais mon yo non au niveau, yo non une voie révolutionnaire véritable. Mais nous-mêmes, sans être capable de dire qu'on est là pour situation pays encore là, c'est que faut que gouvernement ça suspende avec histoire accord la Mayotte ça. Accord en septembre, 21 décembre, nous léo accord la Mayotte. Donc ça dit que accord pas réglé en rien pour pays et qui a mettre pays dans même problème ça il là qui pas résoudre aucun problème. Et nous t'arrêmer mais tout dénoncer paquet parti politique ça yo qui finalement dit clair que ça qui intéresse c'est pas l'élection. C'est prendre pouvoir dans la transition. Il faut que c'est la transition qui prend pouvoir.
n'y a pas de pour ces élections pour aller pour le pouvoir. Donc, l'Europe, le type de parti politique qui met en engagement des transitions. L'Europe, le qui monde qui a dirigé le parti ça, ou tout, pour qui raison que le monde ne pas intéressé à l'élection. D'ailleurs, si le si parti politique était intéressé à l'élection dans le pays, ça, longtemps, on résout le problème là. Donc, nous-mêmes, nous t'arrêtons, mais est-ce que vous nous t'avez fait encore pour nous rappeler parti politique, qui ça qui ont parti, qui rôle un parti politique dans le pays? Est-ce que c'est nous pour t'a rappeler ça encore? Rôle un parti politique dans le pays, c'est prendre pouvoir à travers élections libres et démocratiques. Si ou pas arrivé prendre pouvoir à travers élections, faut qu'on collabore avec gouvernement qui prend pouvoir à travers l'élection et travailler avec lui si gouvernement ça a contribué à développement pays. Mais en même temps tout faut qu'on oppose à gouvernement ça et à n'importe qui gouvernement qui prend pouvoir et qui pas travaille pour développement pays. Donc, c'est ça que nous avons pour nous dire à travers mes conférences. Quand il y a ça, nous-mêmes, nous proposer nous-mêmes pour résoudre le problème pays, c'est finalement pour bail HCTA plein pouvoir pour arriver à créer un CEP crédible, honnête, pour qu'arriver à faire élection. Et bien dit oui, pour bah HCTA plein pouvoir pour le faire travailler. Éclair Info a continué pour nous dire syndicat personnel ministère éducation nationale et formation professionnelle yo sali rapport unité lutte contre corruption ULCC concernant zak corruption dans ministère éducation nationale. Selon secrétaire général syndicat Louis-Né Joseph, zak corruption dans ministère éducation nationale plus grave passé ça qui dans rapport ULCC a. Dans sens ça Louis-Né Joseph mandé autorité concernée yo pour continuer enquêter sur zak corruption en dedans ministère éducation nationale pour la justice pini tout coupable pour nous citer ça yo seulement Louis-Né Joseph c'est secrétaire général syndicat personnel ministère éducation nationale et formation professionnelle yo qui était dans micro radio télé éclair syndicat arrivé dans un moment nous pas gain bouche pour nous parler encore pays a livré à lui-même nation fini haïtien pas connaît à qui c'est pour adresser encore hélas pour un si grand peuple comme ça. Yon peuple si courageux. Insécurité vlope pays à la tête aux pieds. Grand gouap dé pas fini ak peuple là. Chômage c'est sel kok chante. Fatra même c'est pas parler. Tout moun aux abois. Complot ça li dépasse nous. Haïtien reçi prend en mera. Tout bon. Colon ak mafia nationale ak internationale détruit pays à nan clin d'œil ba nous. Complot ça yo sans pitié. Pour pays ya yo tourné sansi koulèv serpent maroka pour moun ki kon sa rele bête maroka k'ap manje yam nan tè yo gâté pays ya yo krasé la justice tandis que la justice élève une nation yo légalisé corruption yo dévié la jeunesse yo appauvri tout pays ya nan intérêt pa yo ak fami yo SPMF comme syndicat responsable. Nous pas capable continuer prononcer nous sous gros scandale ça qui éclaté dans ministère pa nous qui c'est ministère éducation nationale formation professionnelle. Syndicat pas étonné du tout de ça n'tendé qu'a passé dans ministère comme corruption. Nous c'est seul syndicat qui était toujours à dénoncer toute corruption ça. Fraude, toute gaspillage qu'a fait dans ministère. Au lieu que autorité ministère a te corrigé kayé yo. Yo te pito persécuter nous, attaquer nous, menacer nous et même transférer membre syndicat. Et mais jodi a, nous dit la presse,
mais vérité à sous tambour. Corruption envahit ministère de l'Éducation nationale. Nous venons dire la justice, bravo. Bravo encore. Ce n'est pas sérieux pour gens. L'éducation est malade dans le pays. Ça. Pour gens, l'État l'école nous yoye. Pour gens, les gens apprennent. Pour gens employés dans le système nan, ap mal travail. Et puis, un petit groupe de femmes saboter tout le million ça dans le ministère. Comment faire ces deux, trois grands barons seulement? La justice doit être sous yo dans le ministère. Côté l'autre goto yo. Nous ne sommes pas capables de conférence ça. Pour ne pas demander la justice, continuez à enquêter ça pour nous, s'il vous plaît, en deux ministères. Baye nation en tout rapport sous affaire corruption ça, cap kangrené ministère, pas nous, qui c'est ministère de l'Éducation nationale. Président syndicat personnel ministère éducation nationale ak formation professionnelle yo Gary Lapierre dénoncé persécution li di mam syndicat ap sibi bo côté autorité nan ministère éducation nationale à cause yo kon ap dénoncé corruption kap taye mandat nan ministère éducation nationale. Gary Lapierre fait konnen mam syndicat personnel ministère éducation nationale yo paré pou pote le parti civil nan éventuel procès autorité nan ministère éducation nationale pou zak corruption. Gary Lapierre c'est président syndicat personnel ministère éducation nationale ak formation professionnelle yo ki te nan micro radio télé éclair et SPMF ki se syndicat du personnel ministère éducation nationale yo nou applaudi et rapport sa ILCC sorti et si tout rapport ki concerne nous même éducation nationale et n'a mande la justice à toute société a pour mettre en branle contre ensemble des moun qui impliqué dans rapport ça. Et c'est yon, nous gen 7 ans dans syndicat employé ministère national depuis nous créant dans ministère. N'a goumen contre gens des bagages ça yo. Et me pense la presse là, toute presse qui là, qui c'est des presse qui habitué venir dans conférence de presse nous. Nous connaît depuis qu'il n'a dénoncé quantité de ticay ministère éducation national loué pour paquet de vom l'argent. Il y a payé côté nous même personnel ministère nous qu'on fait image déjà nous qu'on prend la presse nous qu'on montre de côté nous même n'a travail qui j'en a travail dans ministère et Jean camarade là se dit là et nous c'est nous si bien pile persécution et si pas de bon Dieu avec Guinée nous n'était capable là déjà nous n'était capable là parce qu'en pile tentative fait surtout sur moi même président syndical dans ministère pour te disparaître moi nous t'ai dénoncé ça plusieurs fois dans la presse et ça pas bon il y a pas de puissance pour te faire ça. Et yo transféré m Gonaïve sous Pierre José à Genocades ou même qui sont ça. Et yo transféré madame moi attention paquet employant dans ministère pour bagage ça yo. Et faut me dire nous même ensemble des monde qui fait partie syndicat depuis nous fin fait partie syndicat, nous ensemble des privilèges qui reviennent de droit dans ministère, nous pas jamais joindre. Parce que yo dit c'est syndicat nous n'a dénoncé ça qu'a fait qui mal et nous pas gain droit participer nous ensemble des bagages qu'a fait dans ministère qui reviennent de droit. Jodi a c'est à péter dans figi tout le monde. Comme apse a pété dans figi tout le monde comme son bagage nous déguin 7 ans n'a parlé de lui n'a dit mais qui ça qu'a fait dans son petit caille qu'a fait qu'a pleu dans ministère mais qui des autres qu'a fait et nous penser jodi a faut que la justice mette l'embranle pour tout le monde ça paraître devant la justice et nous même syndicat employé ministère n'a porté nous partie civile dans cadre procès ça pour l'état arriver récupérer plus que 40 millions de dollars qui nèg yo loué caille pour mettre ministère pour dire que qu'a fait n'importe 5 à 6 building pour te mettre nous loger ministère pour nous travailler. Nous arrivons dans point pour nous mettre fin à la troisième édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Jean Saté a annoncé diverses estripties politiques dans le Fronod à CRI National. Planté piquet yo journée mercredi 22 novembre 2023 devant local Binu dans Pétionville. Objectif mouvement ça, c'est continuer de dénoncer ingérence chef Binu dans les affaires internes pays d'Haïti. Animateur émission Matin Débat sur Radio Télé Éclair Luc Nia Désir, mon connaît sous nom Louko. Présenté une autre fois journée mercredi 22 novembre 2023 devant juge instruction Walter Wessia Voltaire. Audition si la entraîne en cas d'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Syndicat personnel ministère éducation nationale et formation professionnelle yo salie rapport unité lutte contre corruption ULCC concernant la corruption dans le ministère éducation nationale. Dans l'occasion, responsable syndicat invité ULCC pour approfondir enquête li sous autorité dans le ministère éducation
national yo. C'est point ça yo ak divers lota qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde.